notre coach et pour nos pompiers. Et on passe un bon moment. Allez, allez. Être à fond. Je n'ai plus de souffle. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième édition des 24 heures du rameur. L'année dernière, on l'avait fait pour les Restos du Cœur et cette année, du coup, on récolte des fonds pour les Pupilles des Pompiers, donc l'association ODP. Voilà. Donc le but de cet événement, en fait, c'est de ramer pendant 24 heures. Et on a des partenaires qui nous ont donné de l'argent, qui nous ont donné des dons en matériel, de quoi manger et relayer la totalité des participants. Et chacun met 5 euros, 10 euros, ce qu'il veut dans une urne. Et à la fin de l'événement, on fait une donation globale à l'association. Donc c'est pour aider les associations du coin. L'année dernière, lors de l'édition 2022, on a réussi à récolter 1013 euros pour les Restos du Cœur. Et on a fait une distance de 309 km en rameur, donc ce qui est déjà pas mal, sachant que le record mondial est à 440 km. Alors il y a d'une part, moi je dis soutenir un peu l'événement du coach, on va dire, l'œuvre caritative qui soutient. Et puis passer un bon moment ensemble. Passer un bon moment, le challenge. Et essayer de dépasser, l'année dernière on avait fait 15 km en une heure notre équipe, et cette année on va essayer d'en faire plus. Voilà. Le temps paraît très long sur le rameur, on s'est mis d'accord qu'on essayait de faire 300 mètres chacun. Avec un maximum de puissance. Mais on verra à la fin ce que ça donnera. Là, on part sur une heure. Sur une heure, oui, sachant qu'on a une équipe. Je pense qu'en tout, mis bout à bout, on doit être une bonne dizaine. Donc, ça fait une bonne équipe pour tourner sur une heure. On a un petit planning avec les réservations. Donc, les gens, en fait, ils se sont inscrits sur un planning avec une équipe à eux, des amis, de la famille. Et ils viennent pour ramer pendant une heure. Et toutes les heures, on change d'équipe. Donc les créneaux vont s'intensifier, on va dire, lors de la soirée, avec des créneaux de 18h ou 19h où il y a vraiment du solide qui vient nous aider. On a les pompiers, on a des salles de sport du coin qui viennent également nous aider, des clubs partenaires, donc ça va vraiment être intéressant. Donc ça réunit des jeunes, des moins jeunes, des débutants, des experts. Tout le monde est invité en fait et c'est hyper intéressant. Donc même si c'est un événement pour récolter des fonds et c'est sportif, ça fait aussi office d'événement qui réunit et qui fédère autour d'une cause sympa.